discuter. L'homosexualité. C'est quoi l'homosexualité? Je peux le définir de ma manière. L'homosexualité, c'est le développement d'une union affective ou sexuelle entre deux personnes partenaires de même sexe, telles que le lesbienne, carinage, le PD, le pédéreste. Yeah. Là, vous allez lire dans le livre de Lévitique, chapitre 18, le verset 20. Lévitique, chapitre 20, le verset 13. 1 Corinthiens 6, 10. Éphésiens 5, 12. Faisons la lectique d'abord. Un livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. Ni les affamés, ni les affamés, ni les affamés, ni les affamés, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrogneries, ni les ivrognes, ni les outrageurs, ni les ravisseurs n'hériteront les royaumes de Dieu. Alors, sur ce point, toute personne qui commet d'abord qui vit dans l'homosexualité, qu'il sache bien, toi pour toi là, qui le fait, qui le commet, le chemin du royaume des cieux ne te connaît pas. Au moins que tu te répands, au moins que tu te convertis. Pour toi, la porte de l'enfer est déjà ouverte. Et tu n'as plus le temps d'attendre, ou bien tu dois passer dans le jugement. Pour toi, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement, c'est correctement, parce que la Bible est précise. Donc, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Ça veut dire que la porte du royaume des cieux est fermée pour les gens des personnes là. Mais l'enfer est ouvert pour eux. Donc, pour eux, pour n'a pas tout, on a jugement à la rater. Moi, si, au comment que je suis, surtout, je dois être là-bas, je dois être là-bas, course. Avec une femme comme lui. Hein? T'as un niveau abomination. Au capé sonité. Hein? Ouais, dégoût, hein? Bon, quand ça biote. La sœur Aïda, j'ai dit ceci. Quand une femme, vous voyez souvent une femme qui est belle, elle a des voitures, elle s'habille bien, je lui ai béni avec une belle taille, mais elle n'arrive pas de se marier. Elle n'arrive pas à se marier, non pour dire qu'elle n'est pas encore prête, mais parce que, je dis, c'est l'exemple de ceux-là qui le font. Parce que, ou bien, son état, ou bien, c'est le pacte qu'il a signé, le pacte qu'il a fait, qui le prive plutôt de ne pas se marier, ou bien, il est poussé par ses propres désirs de commencer à faire les rapports sexuels entre femmes et femmes, comme font l'homme et la femme. Et il y a autres femmes qui portent des pénis en plastique pour passer les rapports sexuels avec leur conjoint, tel que femme comme lui. Il y a aussi des hommes qui couchent avec l'homme, comme fait femme avec un homme. Et il fait des rapports sexuels dans l'anis. Il y a des hommes qui les font. Zami bali msusu o bawo sangi sarabanzoto entre mibali na mibali. Bazo salaka ba rapport bazo lekanaka azo lekananzela nde kone mobali na côté à sima na derrière kuna. Donc ce n'est pas bien et puis bato abongo bokonza likoleza pona bangote.
Donc, il y a plusieurs choses. Écoutez ceci. Dieu considère l'homosexualité comme une abomination à ses yeux. Une abomination, c'est-à-dire quoi? C'est le caractère de ce qui est inspiré, qui inspire l'horreur, les dégoûts. Les dégoûts. Les dégoûts. Les dégoûts. Et le comble du sacrilège, c'est-à-dire qui commet une profanation plus impure des profanations. Donc, quand la personne vit dans l'homosexualité, il est dégoût devant notre Dieu. Il est en dégoût. Parce que quand on a lu dans le livre de Romains, chapitre 1, les versets 22 à 27, on a compris toute cette interprétation-là à propos de l'homme et la femme. Troisième forme, hein, la fellation. Qu'est-ce que signifie la fellation? C'est la culungis. Cela veut dire la nulling. Comme dit dans le livre de Romains, chapitre 1, le verset 26 à 28. La fellation, c'est la pratique sexuelle qui consiste dans l'attouchement des organes génitaux masculins avec la bouche. Là, vous allez voir, c'est surtout même les hommes qui font l'homosexualité. Ils commettent déjà des choses-là. Ils font des attouchements dans l'organe de l'homme masculin, génitaux. Et surtout là, vraiment, ce n'est pas bien. Et c'est un peu ça. Il y a aussi, chez les femmes aussi, qui le font aussi, c'est un peu ça. Alors, la culungis signifie quoi? C'est la pratique sexuelle qui consiste dans l'attouchement des organes génitaux féminins avec la langue. Comme j'avais suivi une femme qui est en train de donner un petit témoignage de conseiller aux hommes, il dit, alors vous les hommes, vous n'avez pas vraiment les dégoûts. Hein? La femme, elle saigne trop. La femme, à chaque fois, elle saigne. Mais tu vas te permettre de mettre ta bouche là. Tu n'as même pas honte. Hein? Un homme, l'homme, où êtes-vous? Donc, quand même, là, vraiment. Hein? Quand même, là, vraiment. Soyons quand même déraisonnables. Hein? Tu peux attraper des infections, là. Moi, j'avais vu un homme, là, au Congo. Et quand j'étais là, dans la commune à Bandal. Et il y avait un homme qui ont fait des choses comme ça avec la femme. Et après cette action, il y a eu un événement qui s'est déroulé. La femme, je rigole d'abord. L'homme, son lèvre a été gonflée. Lèvre était gonflée, pas son lèvre. Lèvre était gonflée. Était vraiment gonflée, comme si on l'avait poignardé, on l'avait donné un coup là, sur la bouche. Donc, il avait reçu les infections. Donc, il faut être prudent, bien aimé. Il faut être vraiment prudent. Il faut être prudent. C'est pas bon. Et la Bible dit cela dans le livre de Romains, chapitre 26. Et chapitre 1, les versets 26 à 28. Yeah, c'est un peu ça. À part toutes les trois choses que je viens de parler là, je ne vais pas ajouter encore autre chose. Hein. La fellation, la culungis, et puis la anulungis, c'est la pratique sexuelle qui consiste dans l'attouchement de l'anis. Et surtout là, vraiment, hein, par le partenaire sexuel avec la langue. Hein, toi, tu mets ta langue. Oh, ma chère, mon frère. Hein? Bien-aimé à le Seigneur. En tout cas, il y a quoi en fait? Hein? Tu mets ta bouche, ta langue là. Ah, my dear. Ah, my beloved. Hein? Ah! Ah! Vraiment, que Dieu ait pitié. Ça, c'est pas bon.
Il y a des gens au bazouaka monoko na bango a kotisi yango na sima kuna. Même des femmes, même des hommes. Basalaka yango bazali, bazoka nga bayebi basalaka yango. Na sambisi mumte yo basalaka yango tika yango. Quand tu connais que tu as fait des choses ici, c'est juste réponds-toi et ne continue pas ici là. C'est très important. Que Dieu vous bénisse.